Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Alors là, comme vous pouvez le voir, dans le pass de combat, je suis à un palier des flammes. Parce que j'ai pas trop joué cette saison à Fortnite Battle Royale. Du coup, je suis pas très avancé comparé à certains qui ont déjà le faucheur. Du coup, on va essayer pendant cette vidéo d'avoir les flammes. Tout simplement. On va voir les défis, fouiller des coffres insoumis, on s'en fout. Alors, je vais vous montrer mon casier. J'ai ça. Ça. On va jouer avec ça, mais non, avec la pioche de ninja. On va jouer avec la pioche de ninja. On va prendre vite les étoiles. On va garder le rapace en écran de chargement. Et j'ai ça comme dans. J'ai les meilleurs potes, grand amour. Tac, le vert, meilleur pote, pile billet, tu as perdu. Taïdaï, j'ai consternation. J'ai bien dit ça. Salut militaire. Est-ce que j'ai mis consternation? C'est consternation. Excuse me. Je suis un peu malade, du coup j'ai la voix un peu gras. Un peu. J'ai la. Bon, les sont mais. Ils sont mais j'arrive pas à parler. J'ai hâte quand même, vu que sur mon autre compte commun avec mes frères. Je suis actuellement pas des 100. Et voilà. Mais on est plusieurs. Ils jouent dessus. Ils y jouent à deux dessus. Ils geek à deux dessus. Tandis que moi je joue très rarement et je joue principalement sur ce compte pour parce que c'est mon compte et c'est avec on va dire mon compte principal si je peux me permettre. Oh bitch, toi tu vas prendre une balle dans la tête. Hop là, bon, let's go bitches. Je serai en live normalement après l'upload de cette vidéo sur Trove, tout simplement. Et on va aller en retail room. Let's go. Let's go en retail room. Vas-y. On veut du combat, alors fuck you, ok? Pour ceux qui veulent, je suis en sensibilité 4. J'ai 20 top 1 et tout va bien quoi. Voilà. J'aime pas les fermes. Les fermes, c'est de la merde. Tu prends ma maison. Personne ne prend ma maison, ok? C'est ma maison! Oh, nique sa mère. Ok, maison rouge et maison blanche, pas loot. C'est intéressant à savoir. Alors on va ouvrir le coffre. Bon, juste avant j'ai fait quoi, j'ai fait 4 ou 5 games. Dans toutes les games j'avais une Scar. Alors on va voir si cette chance se continue tout simplement ou cette chance s'arrête en mode fuck. J'aimerais bien que... Vas-y, on va garder les grands aperçus pour essayer de troll un petit coup. Tac. Ok, vas-y. Let's go, on va aller à cette maison. On avait vu qu'elle avait pas été loot. J'espère que le gars n'était pas allé. Ah, ok, elle est là-bas. Attendez, on va prendre la hauteur. Toujours, les potes, hein. Toujours, toujours prendre la hauteur sur vos adversaires. Il a l'air d'être fort l'enfoiré quand même. Chut. Attendez. Là je suis en mode grosse campouse. Pour voir si je peux pas lui caler une petite balle dans la tête. Une petite rafale dans la tête plutôt. Vas-y go. Nique ta mère!
Ok. Bon. Ok, on peut pas farmer ça. Oh, il est là. Oh, nique ça, mais j'en ai marre de ma vie. Putain, au cul, le mec, c'était un fils d'up. Il était plutôt pas mal. Moi, j'en ai marre. Je vais aller sur BO3. Maintenant, je suis nul. J'ai perdu tout mon skin en 30 secondes parce que j'ai joué à BO3. Et de changer d'un jeu, d'un Battle Royale avec un champ avec Jetpack, c'est un peu chiant. Du coup, là, c'était, on va dire, la game de chauffe. Vas-y, non, je pense qu'on va retourner à Little Roux. Je sais pas. On va retourner à Little Roux, ça, c'est, pour moi, c'est un bon spawn. Pas mal de monde, pas mal de ressources à prendre, pas mal de stuff, pas mal de tout, quoi. Là, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Parce que ça fait longtemps, j'étais pas active sur la chaîne, du coup je voulais un peu m'excuser de cette inactivité sur la chaîne. Là c'est bon, j'ai de quoi faire plus de vidéos. J'essaierai d'en faire plus, mais après c'est le temps qui va tout faire. Du coup là, après je vais sortir normalement un live sur Trove. Attendez 30 secondes. Toc. Ouais, il y a une mise à jour sur Trove et dans 15 minutes, tout ira bien. Alors, ouais, ça va, ça passe. Du coup, on va retourner à Greasy Groove, à Retail Row. Pourquoi j'ai dit Greasy Groove, moi? Je sais pas. On peut peut-être se faire un spawn ici, là. Ouais. On va aller à Retail Row. Personne prend ma maison, ok? C'est ma maison. Regardez le petit bug à gauche, plus 32. Imaginez quand je spawn, ça me met les plus 32. Ça me les active. Ah non. J'y ai cru. J'ai essayé. Mais non. Hop là, alors, ici. Il y a quoi de beau? Il y a des balles, ok, pourquoi pas. Oh, un peu pour le chasseur. On va voir ça. Merde. Je me suis trompé de bouton. Et voilà. On va aller chercher le coffre qui est là. Et juste ici, bonjour. On prend ça et ça. Par contre, je suis dégoûté, je suis devenu popo, alors j'ai bu ma grosse. Popo, je suis pas mal deg. Mais c'est pas grave. Et aussi un conseil. À chaque fois que vous êtes dans une fichue maison, n'hésitez surtout pas à faire un peu le déménagement, si je peux dire. De la maison. En gros, n'hésitez pas à casser tous les meubles et tout. Ça vous donnera masse de matériaux. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Lequel qui avait dans cette maison, il a fini le loot. Nique sa mère. Ok. Hop là! Bonjour.
Bonjour, bonjour. Je prends tout. Merci. Bon, je peux pas dire qu'il m'a caisse. Parce que c'était moi qui allait clairement trop lentement pour l'unité. Ah. Coucou. Au revoir. J'aime bien tout ce qui. Ah, ok, il a même pas loot ici. Il a même pas loot le coffre qu'il y a là. Il n'était pas censé avoir looté le magasin. Ok. Pourquoi pas. Genre quand je dis déménager. De préférence, moi je déménage du bois comme ça. En fait, un petit aménagement, tout ce qui se casse rapidement en un coup de pioche. Merde, bon, RMP, c'est pas grave. Faites un petit déménagement. Vous voyez, là, j'ai sorti, j'ai à peine cassé des maisons. Vous regardez tout le loot que j'ai déjà. Alors, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Tac, tac. Tac. Plein. On va aller looter là. Mais si les buissons, ça donne pas mal. Ah. Vas-y. Nique les bandages. Pour le nombre de fois que je suis mort parce que j'avais des bandages dans la main. Bon, j'ai quand même loot. Tout. Taras! Bon, je sais, j'aurais pu passer par les escaliers. Bon. Quentin Flemmard, voilà ce que tu fais. Ça a été loot par contre. Je vais faire attention au piège. Je me souviens. Regardez ça, vous l'amenez. Vous. Ah! Distributeur, juste là. Ici, j'avais une trouvée scale. Distribuer. Wow, le mec qui sait absolument pas loot. What? Il dort? Ah oui. Nul, nul et nul. Fuck. Là, il y a le coffre. Prendre ça. Aménager un peu tout. Bonjour. Ouais, tu crois pas. Putain, j'hésite vraiment à le prendre parce que maintenant c'est un peu cheaté. Maintenant on va farm. On va rentrer par le dos. Comme ça. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Seulement parce que je suis un putain de flemmard. Je crois qu'il n'y a personne, les petits potes. On va prendre la hauteur encore. On nique sa mère. Bon. Oh! Un lama! Un lama! Je l'aurais pas vu. Je sens dans les commentaires, vous m'aurez insulté de tous les noms. Un lama! Un lama! Ça va, c'est une plutôt bonne game. On zone qui. Un lama! Le lama! Le lama! Il est à nous, le lama! On va se faire un putain de cercueil! Parce que oui, c'est quoi? J'appelle ça un cercueil! Et on va ouvrir la main! Ah oui, d'accord, ça icône vraiment pas les lamas. Est-ce qu'on prend le fort de poche? Ah, je sais pas en vrai. Déjà, sans